Nous sommes au Maroc, Tunisiens au Maroc. On reçoit ici nos amis portugais qui nous ont permis d'assister et de couvrir, rien que pour vous, le WTCC. Et aujourd'hui, on le reçoit et on vient bien s'en occuper parce qu'on a l'intention de repartir. Et on va repartir exclusivement pour TWT pour aller faire un test drive dans le circuit d'Algarve à Portimão et dans le circuit d'Estoril. Le troisième circuit, ce sera pour une autre prochaine fois. J'ai l'immense plaisir de recevoir mon grand ami Toubaji qui est indissociable des sports mécaniques au Maroc et qui rentre de deux rallyes. Bonjour Eva, vous nous en parlez. Bonjour déjà sur TWT, un petit bonjour. Bonjour, bonjour à tous mes amis de la Tunisie hein, et à tous les passionnés du sport auto. Donc comme l'a dit Hind, je rentre des 24 heures militaires du Maroc. Voilà. Justement, il y a eu un début d'incendie sur la voiture de Jean-Louis. Causé par la chaleur, oui, donc le mécano a été transporté par hélico à Marrakech et Jean-Louis, lui, a préféré laisser sa place au mécano et partir en voiture à la rencontre de l'hélico qui devait l'emmener. Donc, voilà. Grand seigneur Jean-Louis, comme toujours. Voilà, ouais, donc voilà. Mais finalement, le plus touché, c'était lui. Jean-Louis, ouais, je lui ai téléphoné, je me suis en quitte son état, il était bien, par rapport au mécano, c'est le plus touché, il est brûlé au visage, au deuxième degré. Quant au mécano, ils sont au premier degré au visage et un est blessé au bras, troisième degré, mais le médecin nous a rassuré, nous a dit qu'il n'y aura pas de traces si le traitement est bien fait et bien suivi. Mais si on voilà. Va au registre positif Toubaji, on va parler quand même de la victoire incontestable d'Éric Vigourou sur son Pro Truck. C'est une voiture intouchable. C'est une voiture avec un gros moteur, toujours en glissade. Et c'était pour nous, sur le rallye, c'était une horloge. On savait qu'elle allait passer à telle heure. C'est quelqu'un de très régulier, qui roule à son rythme. Et à la fin de la course, il lève toujours le pied. Là, on l'a remarqué, il lève le pied pour se reposer. Parce que déjà, lorsqu'il a une avance considérable sur les autres, hein, il prend plus de risques. Et à part les 24 heures du Maroc, Toubaji, t'étais où alors? Je devais être sur le rallye Le Nomade Express. J'ai pas pu parce que je suis blessé. Donc j'avais un troisième rallye. C'était le rallye international du Maroc. Donc c'est un rallye sur les traces de l'ancien rallye du Maroc qui comptait pour le championnat du monde. C'est un rallye Maroc, c'est ça? Non, le rallye du Maroc. C'est du WRC. Ah d'accord. Donc ouvert aux Porsche, aux vraies voitures de course, les Alpines. Donc, aux vraies voitures de course, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas des vraies voitures de course, nous qui courons non, non, mais... en rallye du terrain. Non, mais là c'est un autre type de voiture, c'est des Porsche préparés pour la terre, qui roulent sur la piste, qui vont extrêmement vite. Donc c'est le Belge Mostar qui a gagné. Il avait déjà le premier jour, il a cassé sa boîte, il a pointé un CH avec moteur à l'arrêt, il a poussé la voiture. Et surtout le rallye, c'était le premier jour dans la première spéciale, et tous les jours il remontait jusqu'au dernier jour. Il a gagné le rallye. Alors Gaël Pinot est un des pilotes de la Legend Cup qui va partir tout de suite. Je lui ai demandé s'il n'était pas trop à l'étroit dans cette Legend Car qui est magnifique, Gaël. Et je suis très à l'étroit. Hein. Quand on dépasse 1m75, c'est un peu juste quand même comme habitacle. Comme je vous le disais, hors antenne, il faut peut-être faire un petit tourlet, non?
Oui, un gros ourlet, un gros ourlet. Alors dites-moi tout, il y a de fortes chances que la Legend Car n'ait pas lieu là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, on a un moteur qui a cassé sur la piste, ça fait qu'il y a de l'huile et c'est en fin de ligne droite. Donc là les techniciens sont en train de mettre du ciment pour absorber l'huile. On va faire un essai pour voir s'il y a suffisamment d'adhérence. Et puis si c'est bon, on part pour la dernière course. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à prendre de risques sur ce genre d'événement. Le week-end s'est très bien passé. Ça serait dommage de tout gâcher avec une grosse glissade. Et Gaël, vous êtes dans la Legend Car depuis plusieurs années. C'est une activité récente? Oui, c'est relativement récent. C'est ma 4e saison. Ah, quand même. Oui. Mais bon, je suis très très amateur. Hein, c'est-à-dire. Les plus grands disent ça aussi, Gaël. Non, vraiment pas. Non. Pas par modestie que vous le dites? Du tout. Et en vitesse de pointe, vous arrivez à combien avec la Legend Car? Alors tout dépend des circuits, mais on arrive à dépasser les 200 km/h. Ah, quand même, sur une bonne ligne droite, vous faites du 200 km/h. Voilà, mais ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est qu'elle fait un départ 0 à 100 km/h en 3 secondes 4. Et en fait, on a des sensations de voiture de course. Mais vous ne trouvez pas qu'elle chasse très très souvent cette voiture? Eh oui, c'est normal, il n'y a pas de différentiel. Exactement. Donc forcément, elle part en glissade. Oui, enfin sur le bitume, pas trop. Mais là, par exemple, chaque été, on fait un championnat terre battue. Là, ce n'est que de la glissade. On a l'impression de faire de la conduite sur glace. Voilà. C'est le trophée Andros. Presque, voilà. Trophée Andros, mais à Agadir. Merci beaucoup Gaël, et puis bonne course, j'espère que ça va s'arranger pour l'huile. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. It's us going toe to toe. L'avènement d'un nouveau pilote, le petit Raji, qui a fait une course magnifique, qui a fait peut-être une petite faute d'inexpérience à l'avant-dernier tour, mais c'est le vainqueur moral de cette course. Et une très belle victoire de Youssef Rouane. Ah, Youssef Rouane exceptionnel, qui a su attendre en embuscade les erreurs des autres et qui en a profité en vieux roublard qu'il est. Et est-ce qu'on va te revoir là au volant de... Inch'Allah, sans parachute j'espère cette fois. Ismaël, c'était une belle course de Kia. Ah ouais. Il nous a surpris le petit de Abdullah Raji. Amen, ouais. Amen. Alors là... Dommage pour Ayman Raji, si j'étais moi le deuxième, je vais le laisser pour monter au podium le premier. Mais toi, c'est dommage pour Ayman. Mais toi, tu as été extraordinaire, on t'a suivi, comment tu les as laissés derrière, c'était tout propre, tes trajectoires étaient nickel. Je crois que tu as énormément évolué ces 3-4 dernières années depuis que je te suis, et je trouve qu'aujourd'hui tu es arrivé au sommet de ton art, on va dire. Oui, exactement, on a essayé de chercher les limites, on a fait plusieurs courses à l'étranger, alors c'était une école pour nous. Surtout le dernier participation au trophée au Maserati World Series, on a fait des résultats. J'ai terminé troisième à Madrid. Oui, à Jarama, oui. Oui, exactement, à Jarama. J'ai terminé troisième. Et là, tu sais qu'on va vous suivre tout au long de l'année avec TWT, on sera à Imola aussi. Merci, soyez le bienvenu. Merci. Smaïl, que s'est-il passé? Parce que de toutes les façons, on sait que tu es
attaque. Et aujourd'hui, lui, ça fait partie. C'est pas possible que tu le laisses partir. Tu as dû avoir quelque chose. Voiture, j'avais beaucoup de problèmes depuis hier. Le radiateur, il était bien. J'ai changé le radiateur, il est pas bon. J'ai vu que la température, c'était à 104, 105. Je me suis dit, il faut protéger mon moteur. Tu as levé le pied? Ah oui, exactement. C'est direct. J'ai gardé ma deuxième place et voilà, j'ai terminé deuxième, même avec la température. J'ai géré la température, j'étais en train de gérer la température et l'accélération, le freinage et tout ça pour garder ma deuxième place. Et Jaffer, t'as mis la pression aussi? Non, pas du tout, mais pour moi, c'est si j'avais pas le problème, on ira, moi et Youssef. Comme toujours, la bagarre totale. Alors moi j'espère qu'une seule chose, c'est de vous revoir, parce que vous nous offrez à chaque fois, Youssef et toi, un spectacle inouï, plein d'émotions, parce que surtout c'est votre sportivité, comme au circuit d'El Hank, où tu as été vraiment un grand gentleman. Là, tu as fait preuve d'une grande sportivité vis-à-vis de ton ami et frère, et nous sur la piste en fait. Oui, exactement. On est des ennemis, des vrais ennemis en piste, mais on est des frères dehors. On est toujours des frères. Et comme vous vient de vous le dire, Ismail Sbahi, c'était vraiment génial. Jaffer lui a mis la pression et Jaffer était à deux doigts de le prendre. Mais c'est une course de gentleman driver, de vrais pros et de gens qui se respectent. Et vous avez bien vu qu'on a eu droit à une très belle course, une très belle compétition. Et Jaffer est ici avec nous. Jaffer, alors que s'est-il passé? Ben, je suis parti, j'ai pas fait un bon chrono, je suis parti dernier et j'ai commencé à doubler, je suis monté à la troisième position, après j'ai rattrapé Sbahi, il m'a tiré avec lui, c'est pas une pression, il m'a fait un petit le coup de lapin. Mais c'est toi qui lui as mis la pression? Un petit peu, deux ou trois tours, mais après, ça y est, j'étais fatigué, je pouvais pas faire ça. On est des bons copains, alors on peut pas se toucher. Mais là, on te voyait, tu pouvais le prendre au freinage. Ça, c'est autre chose. Écoute, on espère vous revoir pour une prochaine bagarre à Rabat, aussi fraternel. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à TWT. TWT. Ayman est un jeune Marocain, il court pour le club Hamza. Il a fait ses premiers pas en karting. Là, on le retrouve en ProCite qui a cette voiture diesel 2 litres pour un poids de 1150 kg qui développe 180 chevaux. Il a fait une course superbe en première position pendant tout le long de la course. Il a fait valider qu'au dernier virage et à le dernier tour, tu fais une sortie piste. Ça ne démarre plus. On dit que ça ne marche pas, on rentre en stand, or que ça marchait toujours. N'est-ce pas, Ayman? Ouais, c'est vrai, mais j'ai fait une tentacule ici au virage. La voiture, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je voulais rentrer pour voir la voiture. J'ai redémarré la voiture et j'ai rencontré la marche arrière pour terminer ma course. Mais tu as tenu en échec pendant 5 tours. Tu as tenu en échec pendant 5 tours un champion du Maroc qui est Mounir Ben Amer. Et juste derrière, il y avait le vice-champion Jawad Belkhouya. Ah oui, c'est vrai. Mais... Moi, je voulais te dire quelque chose, Ayman. Je sais que tu as un sacré coup de volant, mais je crois qu'aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais un grand champion. Merci. Et j'espère que le Maroc te soutiendra et te poussera comme ils ont poussé Mehdi Benani et que tu offriras au Maghreb et au Maroc toutes ces émotions-là dans l'avenir. Inch'Allah, je l'espère aussi bien. On te donne rendez-vous à la prochaine course? Ok, pas de problème. Il ne faut pas oublier, Hatem, qu'il est fan, il est idole d'Alonso. Il le voit à chaque fois et je crois qu'il est dans le bon chemin d'Alonso aussi, notre jeune Ayman Alagi, n'est-ce pas Ayman? Bah, nous on va essayer d'être avec toi, essayer de t'aider, essayer de parler de toi et de te faire connaître et ça va peut-être t'ouvrir des portes. Inch'Allah, j'espère aussi bien. Voilà le grand Ayman donc qui avait malheureusement fait un très mauvais dernier tour alors qu'il était en tête pendant toute la durée de la course et malheureusement sur une sortie de route au dernier freinage avant l'arrivée donc de ce fameux dernier tour où il aurait pu remporter la course, il s'est retrouvé cinquième.